Salut, salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Niels et ce soir, ça va être ambiance questions-réponses. On est entre deux projets, enfin entre deux projets, en tout cas pour les épisodes du jeudi. Ceci est un épisode du jeudi. Donc, on a terminé la partie, enfin une partie découverte de cloud public avec, avec Google Cloud Platform et Terraform. Et avant d'attaquer un autre sujet, certains d'entre vous m'ont posé quelques questions sur notamment le chat Discord, que vous pouvez rejoindre d'ailleurs dans l'URL en dessous. Et j'espère pouvoir apporter quelques réponses ce soir, ainsi qu'à d'autres questions que vous pourriez vous poser. Et d'ailleurs, salut Xavier. Je crois d'ailleurs que tu faisais partie de ceux qui avaient des questions. Le son est un peu bas. Ah, attends, moi déjà j'étais en train de baisser le son de la... Si t'avais pas oublié le micro, ce serait mieux. Hop, avec le micro proche, c'est peut-être mieux, non? Hop, voilà. J'avais oublié de placer le micro. Voili, voilou. Voili, voilou. Ça, c'est fait. Eh, n'empêche, vous arriviez à m'entendre alors que le micro était quand même placé à l'autre bout de l'écran. J'avoue, c'est pas mal. C'est pas mal. Le micro est quand même pas mal. Hein, bien. Où en étions-nous? Oui, j'en étais à ambiance question-réponse pour ce soir. Puisqu'il y avait déjà deux questions de certains sur le Discord. Je crois qu'on avait une histoire d'automatisation d'installation de Debian avec Preside et une autre concernant de la sauvegarde de conf avec OpenSense, si j'ai bonne mémoire. Eh ben, je vous propose qu'on commence sans plus tarder. Hein, je sais pas si s'il y a encore pas mal de monde qui est là, mais pour le moment, de toute façon, commençons, ça fera arriver les gens. Hein. Allez, c'est parti. Je passe en mode hop avec le bureau. Et on va pouvoir. Attends, je vais peut-être remonter un petit peu là. Hop là. Bien. Bien, bien, bien. Alors, je me suis connecté déjà d'une sur un OpenSense. Alors, tiens d'ailleurs, je n'ai pas ramené l'icône. Enfin pas l'icône, le schéma du HomeLab, mais à la limite. C'est pas dramatique, peu importe où est notre OpenSense au final. Par contre, ce que je n'ai pas sous les yeux, c'était le fameux script que Xavier voulait utiliser pour faire du backup de conf OpenSense. Alors, d'abord peut-être un petit peu de contexte. Qu'est-ce que OpenSense et qu'est-ce que c'est que cette interface web ? En fait, OpenSense, c'est un système d'exploitation basé sur FreeBSD qui permet de transformer une machine physique ou virtuelle en un pare-feu, un routeur pare-feu qui peut être utilisable aussi bien, dans un environnement... pourquoi pas personnel, voire même ce qu'on pourrait appeler du SOHO, Small Office, Home Office, ou parfois sur un environnement plus enterprise, ouais, plus entreprise, ouais, on peut dire ça, plus corporate, ça peut être utilisable comme ça. Déjà d'une, est-ce que mon OpenSense est à jour? Je pense pas. Je pense pas. J'ai quelques mises à jour. Hop, on va passer les mises à jour, histoire d'être tranquille à ce niveau-là. Et puis ensuite, une fois que les mises à jour auront été faites, on va pouvoir essayer ce script. Alors ce script, il est passé où? Ah, voilà. Alors... On va copier le lien. Est-ce que ça marcherait si je faisais un paste là-dedans? Oui. Hop, voilà. Donc il s'agit de
ce sujet-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre, comme toujours, hein, je mets les liens du live dans le chat Discord, et puis je vais vous le copier-coller aussi sur le chat. Hop, ce qui va me permettre d'ailleurs de répondre à la question de Xavier. J'ai les prérequis mini pour avoir quelque chose qui tourne bien, c'est-à-dire les prérequis matériels et logiciels pour OpenSense. Parce que dans ce cas-là, je suis tenté de dire qu'on va aller sur le site officiel. Voilà, ok, CPU RAM. Alors, il y a une documentation normalement. Il y a un get started. Et voilà, en virtuel, il faut au moins un vCPU. Bon, ça, de toute façon, on ne peut pas faire 0. Et il faut au moins 2 gigs de RAM. Soit dit, en tout cas de ce qui est indiqué. Et pour ce qui est de l'install target, un disque qui fait au moins 8 gigas. Certains là ils disent au moins 4 gigas en utilisant une image nano. Moi je crois que j'ai utilisé une image classique. L'upgrade a fini. Ah, il est en train de redémarrer, donc on va peut-être le laisser redémarrer. D'ailleurs, on va peut-être. Donc ça c'est l'interface de Virtual Machine Manager de libvirt. Qu'est-ce que j'ai fait de mon firewall qui est ici et qui doit être en train de redémarrer. Voilà, rebooting. Et on va pouvoir regarder qu'est-ce que je lui ai mis comme... Ah oui, je l'ai laissé à 8 vCPU. Je l'ai laissé à 8 vCPU et je lui avais mis un disque de 12 gigas. Alors bien entendu, hein, comme le dit Xavier, vu que c'est... Alors, deux interfaces réseau, ou pas. Ou pas. Aujourd'hui, un routeur ou un firewall, tu peux te permettre de n'avoir qu'une seule interface physique si jamais tu utilises des VLAN. Et OpenSense est parfaitement capable de gérer des VLAN. Dans l'absolu, maintenant, j'ai envie de dire, que ce soit PFSense ou OpenSense, les deux sont capables de gérer. En fait, alors ce qu'on voit d'ailleurs dans le menu, alors je vais peut-être d'ailleurs zoomer un peu, hop. Voilà, si je vais dans interface, donc là j'ai les interfaces que j'ai choisies, mais on peut voir qu'il y a un device, effectivement, mais si on va vraiment dans les assignments, voire même dans les settings, je crois, où est-ce que j'avais configuré ça, moi? Voilà, autre type, tu vois, tu peux mettre du VLAN. Donc tu peux ici rajouter un VLAN, un tag de VLAN sur une interface donnée. Et donc à ce moment-là, tu peux ensuite, dans les assignements, tu peux utiliser la partie VLAN d'une interface pour la mettre vraiment dans les interfaces au sens OpenSense du terme, qui permettent d'être assigné un truc genre LAN, WAN, DMZ, autre chose. Voili, voilou. Donc ça a redémarré. Alors ça, donc c'était un script qui permet de sauvegarder la configuration d'un pare-feu PFSense en récupérant à distance le fichier XML via HTTPS. Trois versions du script existent, une basée sur wget, une basée sur curl et une curl version multi. Suivant si l'un ou l'autre binaire est présent, choisissez la version en adéquation. La version multi permet de sauvegarder plusieurs pare-feux dans le même script. Ok. Alors, on va pas s'embêter la vie, hein. Hop, code, clone, voilà, on le copie, et on va aller... Allez, on va aller dans les documents. Ah, j'ai pas installé Git. Je crois que c'est Git-base, de mémoire. Hop là. Git core, alors ce sera git tout court peut-être. Ouais, git core, voilà. Très bien. Et c'est parti. Voilà. Alors, nous avons PF Motion. On va quand même jeter un œil. Alors, comment il fonctionne?
Rundir. Ok. PFSense host. Ah, bah, il va falloir lui modifier son IP. Alors, déjà, lui, mon OpenSense. Alors, c'est un OpenSense, pas un PFSense. On va voir si ça marche quand même. Le mien, il est en 10, 13, 31, 1. Hop. 10.13.31.1. Admin. Alors, de mémoire, je ne m'étais pas connecté comme ça. Si je me déconnecte à nouveau et que je me reconnecte. De mémoire, voilà, route. Et j'avais dû laisser le mot de passe par défaut qui est OpenSense. Hop, donc. Je fais juste un premier essai comme ça. Et on va voir ce que ça donne. Avec la version wget. Donc, ce que j'ai fait pour le moment, c'est que j'ai juste modifié l'adresse IP de l'interface d'admin, du firewall. J'ai modifié les logins et mots de passe. Et on va pouvoir ensuite lancer ce petit script, comme ça. Et qu'est-ce qu'il dit? Error saving XML file, backup, ok. On va jeter un œil à ce backup. Ok, il n'y a rien dedans. Donc effectivement, il s'est viandé. Alors, pourquoi est-ce qu'il s'est viandé? Une bonne question. Alors, pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller là-haut et on va faire un petit, on va faire un petit 7-X. Hop. Alors, on va refaire un petit truc comme ça. Voilà, donc là, il fait plein de choses et on les voit un peu mieux. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Donc il fait son petit MK temp, il fait ses trucs. Wget, proxy off, keep session, ok. No check certificate, ok. Wget, moins proxy, keep, non. Est-ce que cette URL, elle existe? Diag backup. Alors. De mémoire, ça va plutôt dans système, et on a configuration et on a backup. Donc j'ai bien un diagbackup.php, c'est bien cette interface, c'est bien ça. Donc normalement je peux faire un petit download configuration, donc ça c'est avec l'interface web. Mais est-ce qu'il y a moyen de... Parce qu'il dit quoi? Il fait un submit à download et do not backup RRD. Yes, SRF magic. Ok. Ok. Bon, alors déjà, sans modification, Xavier, le script ne fonctionne pas. Déjà d'une. Ensuite, est-ce qu'il y a un cookie qui est nommé quelque chose de spécifique? Est-ce qu'il a fait un post data? Déjà, si je relance cette commande-là à la main. Hey! Salut Gizmo! On va voir ça. Tiens, si on fait ça. Si, ce sera pour toi. Mais dans l'immédiat, on commence avec un autre truc. Hop. 8. Alors, wget, les codes d'erreur. On a eu un code d'erreur 8. Pop, 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 pom. Ils sont où les codes d'erreur?
tout au fond. Tout en bas de la page de manuel. Ah, zut, je l'ai. Hop, alors 8, server issued an error response. Ok. Alors. Alors, si jamais je lui dis... Si jamais je lui enlève le moins Q... Ah bah... Hop, il me dit forbidden. Il me dit forbidden. Me serais-je trompé dans le mot de passe ? Alors on va faire un truc très simple, hein. De toute façon c'est une machine de test, donc settings, alors passwords, saved logins, voilà, si je fais un edit et que je veux regarder, c'est bien open sense. Alors voyons voir ça. J'ai bien mis OPN Sense. Ouais, ok. J'ai bien mis OPN Sense. Donc, on est bon de ce côté-là. On est bon de ce côté-là. Alors, pourquoi est-ce que... alors, bon, le certificat ne peut pas être... On ne peut pas lui faire confiance, de toute façon on a fait un moins moins notre check certificate. Et ensuite... Keep session cookies, moins moins load cookies. Alors on va peut-être faire un MK. Alors comment il fait dans le script? Hop, quand on revient là-haut, il fait un... Il fait un MK temp, je suppose. Ouais, il fait un MK temp. Il fait pas un M4 temp -d, donc à la limite on peut faire un touch ça. D'accord, il y a déjà un fichier de cookie. Bah oui, vu qu'il l'a. Allez, on va l'effacer. Hop, et si je recommence, toujours forbidden, logique. Donc c'est un fichier de cookie. PHP SSID, ok. Alors est-ce que les valeurs login et username sont les mêmes, hein, si je me redéconnecte et que je vais jeter un coup d'œil au code source de la page. Et qu'on fait... Alors... Input ID, username FLD, input ID, password FLD, type, text, type, password, button type submit name login, value égale 1. Est-ce que par hasard... On va aller chercher le truc. Alors dollar i, ça c'est juste pour ok, pour wget. Et donc il fait fetch login. Backup password. Ah non, ça c'est ok. Name CSRF Magic. Alors tu disais, Gizmo, que tu as monté un OpenSense au taf. Tu as un lag
40G côté Switch Dell et normalement elle a 40G côté OpenSense, mais visiblement le speed à côté OpenSense n'est pas du tout à 40G. Ça semble un problème connu chez OpenSense. Ah, 40G, dis donc, sympa, sympa la connexion réseau. J'espère que la machine elle suit derrière. Alors lorsqu'il fait un safe cookies dans le CSRF1 token. Ah. Alors je là comme ça de tête, c'est une Intel ça de comme carte. Mais après si ça se trouve peut-être que le ouais, alors 4 ports d'IG, ok. Ouais, donc t'as 4 ports d'IG de chaque côté et t'as voulu agréger les liens pour avoir du 40G. Poupouloupoupoum. Alors, système, firmware, configuration, backup. Alors, quand tu dis qu'il voit un truc du genre 1,45G, c'est de débit, comment dire, de trafic. Mais peut-être qu'effectivement, il n'y a pas 40, enfin. C'est pas parce que tu as 40G de débit que tu vas utiliser tout ton trafic. Que tu vas tout utiliser, je veux dire. Ah, le speed de l'interface. Ah oui, effectivement, c'est ennuyeux. Alors, je suis en train de me demander, est-ce qu'on avait. Ouais, on a le LibreNMS qui est quand même dispo. Je pense. J'espère. Hop. Hop, qui est en 10, 13, 37, 13. J'ai un souci. Est-ce que mon OpenSS il serait encore un peu tout cassé de la dernière fois qu'on avait fait joujou justement avec les interfaces? Alors, je vais revérifier son. Distress 37.1. Et les règles, elles disaient quoi en DMZ? Hop. Donc ces règles-là, elles étaient désactivées. Default allow DMZ 20. Ah. Et là, non plus. Et le LAN, lui, il a accès à tout. Alors que pour. Ah non, j'accède pas même pas au. Ok, donc on va commencer par débugger en fait mon réseau virtuel. Est-ce que lui déjà il est bien dans son dans le réseau ouais, il est en, ok, il est dans le réseau DMZ. Ok, cool. Ensuite,
Ensuite, le firewall, c'est lui. Il a une interface active, LAN, ok, ISP2 website, DMZ website, ok. Très bien. Et si je regarde à nouveau ces interfaces, DMZ, il est bien 10.13.37.1. Et si je vais sur le LAN, il est en... De toute façon, j'arrive à accéder à GitHub, donc déjà le LAN, il est bon. Le WAN, il est bon aussi. La DMZ, elle est activée. Firewall, NAT. Outbound, j'ai bien l'intuit en face WAN. Donc normalement j'ai une... Ah tiens, j'ai un automatique. Donc là j'ai pas de one on one. Et en port forward. Ok. Et au niveau des rules, alors on n'a rien en floating. Et les DMZ, ah, ça c'est juste 10 firewall, ok. Côté WAN, ok. Alors si je viens ici et que je ping 1.1, non, il a rien. Si je fais un ping 10.13.37.1, il ne l'a pas non plus. Et il est bien en 10.13.37.13. Et il est bien dans le réseau DMZ Website. Donc, lui, le firewall, il a bien une interface. On va aller vérifier avec l'adresse MAC, tiens. DMZ. C'est le device VTNet 2. Donc, si je vais dans les assignments, VTNet 2, elle se termine en 0411. Bon, tiens, je vais zoomer un peu. Voilà, 0411. Et si je reviens ici, c'est bien 0411. Ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter en SSH sur le firewall. Donc 10.13.31.1. Ok, on veut un shell. Voilà. VTNet 2, 10.13.37.1. Et je tente de pinguer la 13 et j'ai rien. C'est bizarre. C'est très bizarre. Bon, ça c'est le... Ok. C'est très bizarre. Parce qu'on est d'accord que si je fais un ifconfig vtnet 0, donc je suis en 10.13.31.1, j'ai pu me connecter sur cette interface-là. Donc là, j'ai pas de soucis. Et si je regarde la vtnet 1, ouais, j'ai les interfaces ici qui sont montées. Ce que je peux faire, c'est que je peux tenter depuis, depuis cette machine-là. Est-ce que je peux faire un view en serial? Ouais. Et que je tente de faire un ping sur la 10.2.1.2. Allez. Ping 10.2.1.2. Je suis pas sûr qu'il accepte les pings au début. Ouais. J'ai éventuellement un wget. Alors normalement, en termes de redirection de port, on est censé avoir quoi? Si je reviens dans le firewall et que je fais port forward, je suis censé avoir le 10.2.1.3 sur le port 80. Donc si je fais un wget http://10.2.1.3. Bon, il a rien, mais c'est peut-être... DVWA, ah non, vers serveur web.
serait distress 37-42. Tiens, je vais essayer de le pinger lui aussi. Hop. Même si je suis pas sûr qu'il soit allumé. Si j'ai j'ai VHost website. Hop, qui est là aussi. Voilà. Et VHost website. Distress 3742. Donc c'est lui. Et si je tente de m'y connecter. Alors on va rouvrir un hop plutôt ici. 10.13.37.42. Non, hein, il me fiche rien. Bon. Alors je vais pas passer la soirée à débugger mon propre réseau. C'était pas le but. C'était absolument pas le but de la soirée. Mais pour répondre déjà clairement à Xavier, en l'état actuel des choses, je pense qu'il y a il y a des modifs à faire sur le script. Je pense, ouais, il y a des trucs comme ça avec les valeurs. Ah non, non, c'est une 180. Mais je suspecte qu'il existe des scripts déjà faits pour OpenSense. Alors, je sais plus pourquoi tu voulais utiliser ce script-là. Hop. Si je reviens là-haut. Ah d'accord, tu voulais voir comment faire un script pour auto-backup la conf. D'accord, c'est juste que tu m'avais filé ça comme, comme exemple. Alors, dans ce cas-là, comment est-ce qu'on pourrait automatiser le backup de la conf? Alors, la première option que je te donnerais, ce serait d'installer Oxidized. Hop. Je sais que on avait fait un stream dessus, que j'avais pas forcément très bien géré toute la partie historisation dans Git. Alors, facilement forkable. Facilement, je sais pas, mais en tout cas, je pense que je mettrai un petit peu de temps pour le refaire. Mais par contre, ce qui peut être intéressant, parce que plutôt que de le faire via l'interface web, tu peux... Tu peux, en te connectant en SSH... non, là je suis... Oui, je suis sur le firewall. Parce que de mémoire, tu as un fichier de conf quelque part. Le fichier de conf, il est quelque part sur le file system, en fait. Le fichier de conf est quelque part sur le file system. Alors, c'est un peu... Ok... non, c'est pas ça. C'est pas ça. Salut Faléon, dans slash conf. Ah, il y a un slash conf. Il y a un slash conf. Cool. Je l'avais oublié ce slash conf. J'aurais plus vu dans ETC le truc, mais ok. Effectivement, slash conf, slash config.xml. Alors je le VI, mais à la limite, j'aurais peut-être plutôt le laisse. Donc voilà, tu peux récupérer ce fichier-là via un grand coup de SCP directement à partir du moment où tu as autorisé SSH. À la limite même, tu vois que le fichier config.xml, il est autorisé au groupe will en lecture. Donc tu n'es limite pas obligé de... comment dire, tu n'es limite pas obligé...
de le mettre avec root, tu peux très bien créer un autre utilisateur qui aurait le droit de se connecter en SSH avec une clé. Et dans ce cas-là, il récupère config.xml. Ce qu'on peut faire éventuellement, est-ce que moi... Hop. J'ai une clé SSH. Alors, si jamais je rajoute ça quelque part, je copie. Hop, alors. Hein? Remarque, ouais. Je sais pas si ça va passer, mais pop, logout. Ah, il me réclame quand même le mot de passe. C'est peut-être pas plus mal. Donc on va aller créer un utilisateur tout de suite. Alors, système. J'avais pas un truc pour les utilisateurs. Si, access. Users. Ah bah tiens, j'avais un oxidized. Je serais pas surpris que lui, il ait. Member of robots. Ok. Tiens, on va en faire un nouveau, hein, username. On va l'appeler backup. Ah non, allez. BKP user. Voilà. Son mot de passe, je vais mettre pareil, juste pour le lol. Full name BKP user. Commentaire. Landing page. Login shell. On va lui mettre SH. Et. Authorized keys, voilà, là on peut mettre une clé, ok. Donc, on va aller lui mettre une clé. Hop. Save and go back. Voilà. Et juste par précaution, le BKP user, au niveau des groupes, est-ce qu'on peut rajouter un autre groupe ? Non, faut que je... Alors, ça m'embête un peu, là, qu'il ait un groupe... Ah oui, parce qu'il lui faut des privilèges. Est-ce qu'il y a un truc système ? SSH ? Non. Terminal, peut-être ? Non plus. Il y a un configuration history... Ah, backup restore, tiens. Ah d'accord, c'est juste au niveau GUI. Ok, donc ça c'est juste pour la GUI. Il y a un truc read configuration dans les groupes. Ah. Hop, dans les groupes. Non, j'ai rien. Alors attends, là. Déjà, je vais essayer de me connecter en tant que BKP user. Parce que déjà, ça. BKP user. At 10.10.13.31.1. Il me réclame un mot de passe. Ok, il a pas l'air de l'aimer. Donc, c'est qu'il doit pas avoir les droits de se loguer. Déjà d'une. On va aller le refaire. Il n'est pas disabled. Full name, email, comment. Language default, expiration date, non. Donc je suppose qu'au niveau de ses privilèges, alors tu avais dit qu'il y avait un truc read configuration. Non. Ouais, j'avais eu quelques blagues effectivement avec l'utilisateur oxidized.
Mais l'utilisateur Oxidized, lui, il avait. Je vais peut-être le regarder. Ah ouais, il y a un truc backup restore. Je vais le tenter. Et je vais retourner voir ce qu'a droit l'utilisateur Oxidized. Je lui ai rien mis. Bizarre. J'ai juste mis dans les groupes, dans le groupe robot. Et qu'est-ce que j'ai donné au groupe robot comme droit? Voilà, c'est la question qu'on se pose. Il a rien. Tiens, marrant. Marrant. Je vais bien appeler BKP user. Hop. Il a un login shell. BKP user. Maintenant, on me passe. Et il n'en veut pas. Ça, c'est. Je sais pas si je le mets dans le. Ok, donc le groupe robot. Comment, qu'est-ce que j'ai fait pour que ce groupe il est. Ok, je sais pas ce que j'ai fait à ce groupe robot ou est-ce que c'est un nom. Mais ce qui m'enquiquine, c'est que du coup, si je fais un ls slash config, à mon avis, ah non, slash conf, je peux. Mais par contre, si je fais un cat slash config.xml, ah si, j'y ai accès. Parce que config.xml, il est accessible en lecture à tout le monde. Ok. Donc, voilà. Il doit y avoir moyen de faire un petit scp comme ça, si je fais ça. Ah, attends, par contre. Ok, la clé fonctionne. Et si je fais un SCP BKP user tac 2 points slash conf config.xml, je l'ai. Ok. Donc maintenant, j'ai plus qu'à revérifier qu'est-ce que c'était que ce groupe robot. Ou est-ce qu'il il fallait juste que créer un groupe? Parce que si je crée un nouveau groupe, je vais l'appeler Toto. Foubar, tiens, Foubar, allez. Hop. Voilà. Que je reprends mon utilisateur BKP user, je le retire des robots, je le mets dans foobar, je save, je passe ici. Ah là, il me demande le mot de passe. Ok, donc il y a un truc avec le groupe robot. Je suis tenté de dire. Je suis tenté de faire un truc. Configuration, backup, download. Voilà. Donc le groupe robot, ok, il est enabled, password house, permit root login, SSH. Ah! Faut aller regarder des choses dans le access. Donc là, on n'a rien.
Settings, administration. Secure Shell, voilà, ok. Ok. C'est parce qu'en fait, seuls les groupes Will et Robots ont le droit de se connecter en SSH. Donc, grosso modo, pour résumer, pour la faire très simple, en particulier pour Xavier, parce que c'est Xavier qui avait posé la question, le plus simple pour récupérer ton fichier de conf, tu crées un nouvel utilisateur, tu lui assignes une clé SSH et tu lui mets un groupe. Alors du coup, moi j'avais créé un groupe qui s'appelle Robot. Tiens, j'aurais pu mettre Will Foubar, effectivement. Et ce groupe-là, c'est un groupe pour autoriser les gens à se connecter en SSH. À partir du moment où il est dans ce groupe-là, tu peux, en lui mettant bien entendu un shell à cet utilisateur, tu peux faire facilement du... alors moi j'ai fait du SCP, mais si ça se trouve, tu dois pouvoir faire du rsync. Alors du coup, je vais remettre mon utilisateur, il est où ? System Access Users. On va reprendre mon BKP User. On va le mettre dans le groupe Robots. Hop. Voilà. On va enlever le du groupe Foubar. On sauvegarde. Si je fais ça, c'est bon. Et si je tente un rsync... moins AVP, moins stats, moins progress. Hop. Comme ça. Ah, rsync not found. Si ça se trouve. Vu qu'on est sur un FreeBSD, faut signaler à rsync que de l'autre côté, le chemin n'est pas le même. Donc je vais lui dire que ça va être usr local bin, hop là, on vient par là, usr local bin rsync. Non, il n'y a pas de rsync sur le OpenSense de base. D'accord, j'aurais pensé. Non, pas de rsync. Donc faudra le faire avec SCP, ce qui est un peu dommage. Ou avec SFTP. Mais voilà, avec un SCP, ça passe. Est-ce qu'il y a moyen de rajouter rsync? Firmware. Packages. Est-ce que j'ai moyen de rajouter rsync? Alors, il n'est pas présent. Status. Alors. Non, c'est pas un plugin. Et dans les packages, j'ai pas de quoi rajouter des packages avec OpenSense. Dommage. C'est pas grave. Bref. Donc, pour résumer. Créer un utilisateur, lui coller une clé SSH, penser, très important, ne pas oublier à aller dans les paramètres d'administration pour autoriser le groupe de l'utilisateur à se connecter en SSH. Et une fois que ça c'est fait, n'importe quel utilisateur qui arrive à se connecter en SSH a le droit de lecture sur le config.xml. Donc à partir de là, roulez jeunesse, hein, il n'y a plus qu'à le SCP. Et éventuellement, on peut dans un script faire un petit truc du genre avec la date du jour en fait. Faire un script qui récupère la date du jour et qui ensuite une fois qu'on a fait le SCP, on peut faire, .slash config, appeler config du jour, tiens, config-du-jour, .xml, voilà,
Hop, et j'ai un config du jour.xml. Est-ce que tu veux voir autre chose à ce sujet-là, mon cher Xavier G? Hop. Ok. Alors, si jamais tu veux te faciliter la vie sur la gestion des sauvegardes, entre guillemets, il y a un petit outil qui est assez sympa. Hop là. Hop, rsnapshot.org. Bon, alors normalement, il est basé sur rsync. Mais je crois qu'il y a moyen qu'il utilise SCP à la place quand il n'y a pas de rsync. Et en fait, il utilise du lien hypertexte. Enfin, non, pas du lien hypertexte, du lien du hard link. Ce qui te permettrait, en fait, de gérer justement l'historisation des fichiers. Parce que là, tu vois, j'ai fait un SCP machin config du jour. Et au lieu de faire un script à la main qui récupère la date du jour, qui fait ce genre de choses, et qui éventuellement fera de la rotation, genre au bout de, je sais pas moi, 30, 50, 60 jours, eh ben, tu peux essayer de regarder avec rsnapshot s'il n'y a pas moyen qu'il fasse... Enfin, il gérera, moi je sais que je l'utilise pour des backups à titre perso. Alors avec rsync forcément ça aide beaucoup, mais je crois qu'il il est capable d'utiliser SCP. À revérifier quand même. Ah ouais, non désolé, rsync il doit être activé. Ok, autant pour moi, dommage, je pensais qu'il serait capable d'utiliser SCP. Est-ce que je savais que OpenSense garde les 18 derniers commits? Si tu veux voir, il faut passer via le menu du shell. On peut aller regarder. Hop. Hop, qu'est-ce qu'on a là? Alors, assigner les interfaces, remettre le 13, restore au backup. Ah ouais, pas mal. Blank to exit. Alors, je pense avoir une vague idée. Je pense avoir une vague idée d'où c'est. Alors, je pensais pas conf backup. Ah bah voilà. Voilà, tu peux, bah du coup, tu peux même faire un SCP moins RVP, par exemple. Donc, moins R pour être récursif, V pour être verbeux, et P pour préserver les droits. Mais on peut voir les dernières. Tiens, d'ailleurs, il y en a qui sont plus lisibles. La plupart le sont. Et a priori... C'est marrant, tous n'ont pas forcément les droits, tiens, c'est bizarre. Mais pour peu que tu mettes ton utilisateur de backup dans le groupe Will, tu peux tous les avoir. C'est intéressant ça, merci Gizmo pour le tuyau. Bien, donc ça c'est vu, le premier point... On a vu. Le deuxième point, alors. Effectivement, alors c'est un peu louche cette différence de droit. Je sais pas à quoi c'est dû. Est-ce que. Alors lui il dit. Ouais, il est en UTC. Ok. Ah, c'est peut-être leur script qui de temps en temps met mal les droits, hein. Je sais pas comment il fait à chaque fois pour modifier la config. Mais à la limite, moi, en toute sincérité, je préfère ces droits-là à ceux-là. Parce que celui-ci, il dit en gros, vas-y, tout le monde peut, tous les utilisateurs du système peuvent le lire. Alors honnêtement,
Hop. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir de... Il n'y aurait pas des passwords qui traînent? Voilà. Alors certes, ils sont hachés, mais il y a moyen de les casser, je pense, hein. C'est pas franchement... Enfin, voilà. Donc ça veut dire que n'importe qui peut aller lire la conf et donc par conséquent peut lire les HD mots de passe. Et je suspecte que pour peu qu'on mette en place, je sais pas moi, du VPN IPsec ou autre avec des clés, bah tu récupères les clés aussi quoi. On est d'accord, c'est pas fou pour du firewall. Après, quelqu'un qui arrive à se connecter sur le shell du firewall, bon déjà il y a un souci. Mais voilà. Bien. Alors, le deuxième point du soir que j'espérais voir, c'est patch day d'ailleurs chez OpenSense. Bah écoute, j'ai commencé le stream par faire une mise à jour. Si je vais dans mon système firmware, je suis en... Ah bah update, voilà, tu vois, updated ce soir. Et je suis en 22.1.3. Si je vais sur le download, il me dit quoi? Des fois que les miroirs soient pas à jour. Select mirror, allez, on va prendre hop, France, voilà. Download. Ah, il me dit 22.1.2 là, tu vois. Donc les comment dire, les images d'install sont même pas encore. Là, nous sommes un blog post, please double check. Ok. Ah oui, les checksum. Ok. Et est-ce qu'il y a un truc du genre blog 22.1.1 qui a été release en février? Alors, on va regarder, tiens, on va dans le stat. Non, c'est changelog 22.1.4 que j'ai. Ah non, tiens, j'ai pas installé la 22.1.4. La date d'aujourd'hui. Et je peux pas la. Pourquoi il me. Il y a quoi comme. Ah, il y a une CVE. Une CVE pour LibreSSL. Full patch note. Ok. C'est bizarre parce que donc il me dit 22.1.3, il me dit qu'il y a une 22.1.4, mais quand je... Bref, bon, de toute façon, c'est un environnement de lab hein, que j'ai. Oui, bah forcément, il me dit qu'ils sont vulnérables, ok. C'est... J'ai envie de dire que t'es gentil, mais sachant que tu me fournis pas les mises à jour... Bon, je vais pas insister, hein. Il me dit que c'est à jour, il me dit que c'est à jour. Hein. Et comme en plus c'est un environnement lab, ben, j'ai envie de dire c'est pas dramatique. Par contre, ce qui va être un petit peu plus dramatique, Gizmo, c'est comment je vais gérer le... Comment je vais m'occuper de te montrer pour Debian Precide. Donc, la deuxième question du soir, c'était à propos de Debian Precide. Donc, petit rappel, petite remise dans le contexte. Il est possible d'installer de façon automatisée une machine Debian grâce à un truc qui s'appelle Precide. Alors, si je reviens sur mon... hop.
si je reviens sur ce dépôt-là, hop, voilà. Voilà un exemple de fichier précis. Alors, je vais peut-être vous filer quand même le lien vers le repo GitHub, hein, qui est celui des TP Linux que je fais donc, lors de mes streams du dimanche. Et en fait, l'idée aujourd'hui, c'est que quand on fait une installation de Debian, quand on démarre l'installeur, eh bien, on a un menu et on peut aller dans ce menu et on peut dire, tiens, au fait, je voudrais faire une installation automatisée. Et cette installation automatisée, on peut lui dire à ce moment-là, tiens, voilà l'URL vers le fichier d'installation automatisée, qui est donc le fichier qui est en fait un fichier de réponse. Et alors, ce qui est possible de faire, c'est ensuite de rentrer ce fichier de réponse, mais dans le menu d'installation. Si je refais une nouvelle install de Debian. New, allez, hop, on va se mettre. Je dois avoir quelque part un. Bon, alors ce sera pas la dernière, hein, ce sera une Debian 11.1. Hop, Debian 11. Hop, alors, on va lui mettre 2048. Voilà, on va faire créer, ouais, 20 gigas. Hop, on va la laisser Debian 11. Tiens, je vais la mettre dans ISP3 Workstation pour le moment. Je vais la mettre dans ce réseau-là. Hop. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est au niveau des CPU, lui dire host pass-through appliqué. Et en topologie, on lui met un socket. Et on lui met deux threads. Voilà. Tout le reste, normalement, c'est bon. On commence l'install. Et en fait, à ce moment-là, voilà, on peut aller ici. Alors, je vais peut-être zoomer un peu. Scale display. Voilà. Hop. Je vous agrandis ça. Voilà. Et donc là, on a les options avancées. Et on a un graphical automated install. Donc là, il commence à démarrer en fait un début d'installation. Enfin, quand je dis un début d'installation, voilà, c'est juste qu'il va, il va commencer à faire les premiers steps pour charger en fait toutes les informations qu'il a sur son image ISO. Et il va d'ailleurs tout seul se mettre en DHCP pour qu'ensuite on puisse aller récupérer sur le réseau le fichier de configuration. Voilà. Donc ça c'est sympa, mais il faut quand même démarrer le truc et il faut le démarrer comme ça. Alors on a un truc assez intéressant sur le wiki Debian. Hop. Alors, je sais pas trop si je peux faire copier-coller là. Si copie. Et si je vais là et que je fais paste, ça marche? Non. Est-ce que si jamais je vais le chercher ici, ça passe? Je pense pas, mais non. Bon allez, hop. On va le réécrire à la main. Donc, wiki.debian.org/debian, hop, installer/precid, voilà. Et ensuite, hop, tiens, on verra si en français ça marche bien. Alors, donc, qu'est-ce qu'ils indiquent comme preceding methods? Ils indiquent qu'on peut carrément aller le mettre dans l'initramfs de l'installeur, ce qui est quand même un peu, je pense, un petit peu... voilà, ça veut dire éditer l'ISO. C'est pas évident. Ou alors, on peut charger automatiquement via un serveur web avec des DHCP. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Hop. Et en fait, voilà, il suffit
à l'installeur au boot menu de faire échappe et de faire auto URL. Et en fait, ça on peut le faire avec un PXE. C'est-à-dire que là, par exemple, le truc qu'il indique, le hands-off, en fait, c'est qu'il est possible d'aller récupérer les fichiers de l'installeur Debian. Alors, si je vais sur... si je fais Debian, cd archive de mémoire. Voilà. Donc... la dernière. Hop, bien entendu, en bas. Bullseye. Bon, allez, hop. 11.1. Tiens, c'est bizarre ça. Ah oui, mais ça, c'est les archives. Donc, hop, c'est dans CD images. Voilà. Et là, normalement, j'ai juste les dernières. Release 11.2.0 AMD 64. Si je fais ISO CD, donc là on a les images ISO. Est-ce qu'il y a un endroit dans le miroir où j'aurais directement le alors pour du comment dire, pour du Red Hat ou du Fedora? Alors, Gizmo qui dit comment je génère mon fichier de conf précide. Alors, c'est une excellente question. il y a un truc quelque part dans la doc du précide, je crois, non? Non, je sais plus où je l'avais indiqué quand j'avais fait mon stream sur précide. J'avais vu le truc pour pouvoir générer un précide soi-même. Sauf qu'en fait, honnêtement, le précide généré, en toute sincérité, il est inutilisable, je trouve. Enfin, après, c'est mon avis. Je sais que je suis pas très tendre avec précide. C'est peut-être un peu, comment dire, c'est pas forcément très, très objectif de ma part, mais j'ai une nette préférence pour Kickstart. Red Hat Kickstart, pour moi, est beaucoup plus facile à utiliser à mon sens, mais encore une fois c'est une préférence personnelle. Le mieux que tu puisses faire, c'est de te baser sur des exemples existants, en particulier voilà, hop, je vais copier ça ici, voilà, hop, je vais le mettre dans les liens du live. Voilà. Et en fait, tu vois, tu as un truc default preceded files. Et tu as un exemple pour Debian stable. Voilà. Et là, tu as un exemple. Alors, le truc, il est assez énorme. Hein. Il est assez énorme. Et alors, par contre, il y a un gros souci. Un gros bug. Mais je suis pas sûr qu'il l'ait vraiment... alors... C'est en théorie documenté quelque part chez Debian. Oui, malheureusement, Gizmo, Red Hat Kickstart, c'est seulement pour de la Fedora ou de la Red Hat. Je crois que Ubuntu essaye d'être compatible avec Kickstart, mais c'est assez limité. Par contre, le truc très important, si jamais tu es dans un réseau, avec un serveur DHCP, ce qui sera sans doute le cas si tu veux le faire en démarrage PXE, et que tu veux que ta machine Debian dont tu automatises l'installation, tu aies une IP fixe. Le truc, c'est que si tu mets juste ici, genre tu décommentes et tu mets les trucs fixes, ça marchera pas. Ta machine va rester en DHCP. Et si je reviens sur mon, c'est pour ça aussi que je file le lien vers ce précide, c'est qu'en fait j'ai dans ce précide là, j'ai le correctif qui est en fait tu fais ça en fait. Tu fais ce truc là qui en fait va
va arrêter le réseau des HCP. Ouais, alors un patch, moi j'appellerais plutôt ça une solution de contournement. En gros, le principe, c'est quoi? C'est que ton système démarre en PXE. Donc il va aller demander au serveur DHCP une IP. Le serveur DHCP va lui filer l'IP, le mask, la gateway, le DNS et le next server pour télécharger notamment ton noyau, ton initramfs et tout ce qui s'ensuit. Et une fois que ça c'est fait, ta machine, physique ou virtuelle, va démarrer sur le noyau et l'initramfs et avec son option de démarrage, où tu lui aurais dit, au fait, va chercher le précide. Donc ta machine a eu une IP en DHCP, elle se sert de cette connexion réseau pour aller télécharger le précide, une fois que, enfin, elle se sert. En gros, ton Linux Debian Installer qui démarre, lui, va refaire une requête DHCP. Grâce au fait qu'il a eu une requête DHCP, enfin, si tu lui as dit d'être en DHCP, tu peux aussi lui dire d'être en IP fixe. On arrive à me suivre là, parce que je reviens un peu sur les trucs en arrière. Donc, ton noyau et ton initramfs ont récupéré à nouveau un accès au réseau. Sans doute en DHCP, mais il est possible de les faire en IP fixe. Le noyau d'installeur va télécharger le fichier de précide. Le fichier de précide, lui, va commencer à se configurer en DHCP, généralement. Et en fait, il faut lui dire, je kill le DHCP, et ensuite je relance la partie configuration réseau. Alors, en gros, c'est trop tard, donc il faut lui dire d'arrêter le DHCP, le réseau DHCP, pour relancer la configuration réseau, netcfg, et appliquer la configuration statique. Je suppose que ils ont préféré pour le moment le documenter et rajouter, parce que c'est plus facile, j'ai envie de dire, de rajouter ça comme ça dans un précide que sans doute d'aller patcher l'installeur Debian. Peut-être qu'ils n'ont pas réussi à patcher l'installeur Debian qui dit si tu as déjà une IP en DHCP et que tu vois ça, ou alors je sais pas comment fonctionne l'installeur Debian, mais... Oui, 455 lignes. Alors la question, c'est si t'enlèves les commentaires, qu'est-ce qui se passe? Si je fais un grep-v de tout ce qui commence par dièse dans serveur 13... Ok. What? Ah, c'est parce que je l'ai pas récupéré en roue. C'est pour ça. Hop. Faut prendre ça. Hop là. Copier le lien dans GitHub. Voilà. Ok. Voilà. 140 lignes. C'est déjà... ouais, c'est déjà mieux. Après, honnêtement, les commentaires, t'es bien content de les avoir. Tiens, d'ailleurs, en fait, il aurait peut-être fallu que je... grep... moins V, tout ce qui est ligne vide. Voilà. En réalité, 70. 70 lignes, en fait. Sauf que voilà, une fois que t'as le truc, t'es comme ça, tu te dis, mince, c'est quoi ce bazar? Qu'est-ce qu'il y a dedans? et donc, parmi les petits tips sympas qu'il y a dans ce précide, tu vas trouver, tout à la fin. Alors, dans le précide à la fin, voilà, tu vois, tu peux rajouter des commandes. Et donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté tout ce qu'il faut pour pouvoir utiliser le système via la console série. Ce qui peut être pratique dans le cas d'une VM sous KVM libvirt, puisqu'on peut accéder à une console série. Quand on est dans le view là comme ça et qu'on fait console, on a accès à une console série. Donc ça peut être pratique.
Parce que la console série, notamment, elle n'a pas de problème de mapping clavier. Ce qui m'est déjà arrivé plus d'une fois entre les systèmes en français, les systèmes en anglais, selon que je suis sur mon PC, selon que je suis sur un ordinateur portable, où j'ai pas les mêmes mappings clavier. Donc c'est plutôt sympa d'avoir accès à ça. Et pour tous ces trucs-là, j'en profite pour passer un grand merci. Un grand merci à Nidouille. Je sais pas si t'es là, Nidouille, ce soir. Mais merci à toi, parce que c'est grâce à toi ce précide. Parce que c'est grâce à tes exemples aussi. On va peut-être retrouver d'ailleurs sur GitHub. Parce qu'il faut quand même rendre, comme on dit, à César ce qui appartient à César. Et si je cherche Nidouille, je crois que c'est 77. Non. Repositories, non, mais c'est les utilisateurs que je cherche. Users, hop là. Oui, rendre à Nidouille ce qui appartient à Nidouille. Non, mais elle est fantastique. Elle a, voilà, c'était ça dans Debian Automated Installation, je crois. Voilà. Elle a fait deux précides. Tiens, je vais vous passer les liens quand même, parce que... hop. Ici et sur Discord, bien entendu. Parce qu'en gros, elle a des fichiers précides qui sont juste... fort, fort sympathique. Et elle a eu les mêmes soucis que moi. Hein. Donc très pratique ces exemples. Et en plus, elle en a fait deux. Un avec une installation LVM et une avec une installation sans LVM. Alors moi, je me suis basé sur celle sans le LVM parce que j'avais pas besoin de LVM. Mais voilà. C'est quand même vachement pratique. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, je vais vérifier, est-ce que moi, de mon côté... Non, pas ici, hop là. Est-ce que j'ai mis en star... Oui, je les ai mis en star, le repo de Nidouille. Hop. Voilà. Donc bravo à elle. Alors la question que je me posais pour essayer de démarrer quand même tout ce biniou en PXE de Debian, pourquoi il y a plein de... Ah, il y a d'autres miroirs hein, depuis le... Ah oui, parce que c'est une... D'accord, ok. Mirror, CD, image. Release. Ouais, le current, c'est la même chose, ok. Live image, cloud image, holder bin, misc. Alors, si je commence à chercher Debian PXE, par exemple. Debian installer, PXE. PXE boot install. Ah bah, parfait, c'est documenté. Ce que je voudrais, si votre système supporte IPXE, ok. DHCP server, ouais, ok. Moi, ce que je veux, c'est le noyau et l'intranfs de TFTP. Oui, voilà, moi, ce que je veux, c'est le peupler, le TFTP. Parce que ça, j'ai déjà joué avec... Provide, voilà, boot image. Alors... Hop. Network boot. AMD64. Voilà. Donc faut aller ici. Deb.debian.org. Dist. Et en fait, on a un netboot. Et là, on a un mini.iso. On a un pxlinux.cfg avec un default. Donc on a en plus les... on a tout ce qu'il faut là, presque. Pass. Boot screen. Oui, ok. Debian installer, AMD64, voilà, Linux et initrd.gz.
Alors, est-ce qu'on a... parce qu'il est déjà 21h22 et leur truc... Si je reviens là... Non, je cherchais autre chose. C'était le netboot.xyz. Alors, get started. Let's you PX boot various operating system. Donc, quick start, allez. Getting starting, download. Bon, on va télécharger l'ISO. Ah bah non, je vais pas la télécharger là. Je vais la récupérer depuis ma machine. Hop, on va aller ici. Voilà. Je vais, hop, je vais vous filer bien entendu le lien. Voilà. Et alors, on récupère ça. 2 méga 3. Nickel. Donc ensuite, hop. Salut Manon. Bienvenue à toi. Hop. Alors, Marvin. Voilà. Ok. Alors, ce que je vais vouloir faire, c'est aller. Envoyer l'image. Hop. Donc c'était netboot.xyz. Hop. Je vais tout de suite lui donner les droits par précaution. Hein. Voilà. Et ensuite, eh ben, on va créer une nouvelle VM. Hein. On va pas s'embêter. Ça, je referme. J'avais pas une. Oui, si. Allez, on va la réutiliser. On va la force off. On va aller ici. On va aller chercher dans boot. Hop, le netboot. On va faire apply. Et alors, ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais mettre enable boot menu. Et je vais utiliser les deux. Hop, comme ça. On va faire comme ça. Voilà. Donc, là, qu'est-ce que je. Là, où est-ce que j'en suis? J'en suis à tenter de faire du boot PXE, entre guillemets. Pour ensuite, pourquoi pas, donner à manger un Debian précide. Salut à toi, DS John. Alors, je sais pas pourquoi tu m'appelles Best Marmotte. Ou alors, j'ose pas être sûr de ce pourquoi tu m'appellerais comme ça. Je pense que tu me confonds avec quelqu'un. Bref, allons-y. On va démarrer ça. Un petit échappe pour le boot menu. M qui non. Alors, il est pas censé nous filer un menu? Si. Distribution. Distribution. Alors non, c'est absolument pas moi. C'est absolument pas moi. J'ai joué à Hearthstone, mais je ne suis absolument pas Best Marmotte et je ne connais absolument pas Torkoal. Je vois de qui tu parles, mais ce n'est absolument pas moi, malgré la barbe et la calvitie. Mais c'est marrant que tu en parles parce que dans une ancienne vie professionnelle, j'avais un collègue de travail qui jouait pas mal à Hearthstone et qui me faisait la blague aussi et qui m'appelait Marmotte de temps en temps. Ouais, Gizmo, je vais revenir dessus parce qu'effectivement j'ai été un peu rapide. Alors, grosso modo. C'est relativement simple. Je suis allé télécharger l'image ISO. Je suis allé télécharger l'image ISO. Alors attends, hop, je récupère. Donc sur le site netboot.xyz/downloads, j'ai récupéré l'image ISO. Et ensuite, je l'ai transféré sur mon hyperviseur.
Donc depuis mon hyperviseur, ensuite, hein, si je vais dans les confs de ma machine virtuelle, je lui ai dit, hop, ça t'a CD-ROM, tiens, démarre dessus. Et là, pour le coup, une fois que j'ai dit démarrer dessus, et là, je suis dans le menu. Je suis dans le menu. Donc on va faire Linux Network Install, je pense. On va aller chercher Debian. Hop, et on a le choix, Debian 11, Debian 9, Debian 10. Et si je fais un tabulation ou un edit, non, il n'y a pas E. Texte base, specify précis d'URL. Ah, et d'accord, il le fait directement ici. Ok, j'aurais aimé qu'il me... Alors, ce qu'on peut faire, par contre, hop, c'est faire un force off, voilà. Et on peut revenir ici, et je vais lui redonner à manger l'installeur Debian. Et pourquoi est-ce que je vais lui redonner à manger l'installeur Debian? C'est parce que ce que je veux faire, c'est aller dans Advanced Options. On va faire un graphical expert. Je vais faire tabulation. Et là j'ai fait tabulation, j'ai pas fait entrée. Alors bonne question, je pense qu'il va chercher sur le net. On va le refaire, tiens, on va le refaire. Hop là. Je vais. C'est vrai que je suis passé un peu vite. Hop, on va le refaire. Hop, appliquer. Et on va redémarrer. Hop. C'est que j'espérais pouvoir utiliser le netboot.xyz au lieu d'un PX classique, mais c'est pas un PX classique en fait. Donc. Distribution network install Debian 11 et là j'ai le choix, je peux faire text based graphical rescue expert specify précis d'URL. On va faire expert juste pour le lol. Ok, et il me le charge en texte. Je pense qu'il télécharge tout, hein. Il télécharge tout, Gizmo, et ce pour une raison très simple. C'est que si je reviens ici, là je suis sur l'hyperviseur. Et l'image ISO, elle fait 2,3 mégas. Ouais. 2 mégaoctets. Donc il télécharge tout. C'est ça, Faléon. Il a déjà les URL pour télécharger. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est de pouvoir balancer un précid à la base. C'est la question de Gizmo. Hein. De la pépite? Oh bah, j'ai envie de dire, allez-y, prenez hein. Hop. Je vais redémarrer, moi, sur le Debian installeur classique. Hein. Hop. Parce que je vais dans les options avancées. Dans le graphical expert et là je fais tabulation, je fais pas entrée et à partir de cet endroit là comme indiqué dans la documentation tu peux faire un auto égal et là tu lui files l'adresse d'un précide. Alors on voit pas bien à l'écran parce que c'est en blanc sur blanc pile au moment où il y a écrit Debian. Bah écoute Gizmo, j'ai trouvé le temps pour toi, voilà. Alors dans, donc là, on a écrit auto égal. Et si je reviens sur la documentation qui est quelque part par là. Où en étions-nous? Non, ça c'était PX boot. Debian installer. Hop. Tac, tac, tac. Alors. Voilà, auto URL égal. Donc ici, il faut faire auto URL égal. Et alors, où est-ce que je peux poser un précid? Où est-ce que je peux poser un précid avec un... Ah mais attends, mais là... Non, ça c'est le libre NMS. Ouais, je vais l'arrêter. Hop. Et j'avais sur cette machine-là,
Est-ce que j'avais pas déjà un pgrep nginx? Non. Apk li. Non, j'ai pas installé Nginx là-dessus. Alors, je dois avoir d'autres machines avec un, peut-être avec un Nginx dessus qui sont dispo. ISP5box, tiens, t'as quoi dessus toi? Ok. Ouais, il y a un Nginx dessus. Allez. Alors, on a etc nginx. Http.d, il y a quoi dedans? Hop. Et le default, il dit que ça va dans var 3w localhost htdocs. Var 3w localhost htdocs. Hop. Ah bah justement, c'est là où j'avais mis mes c'est là où j'avais mis mes premiers précides. Donc c'est parfait ça. Donc j'ai un premier précide qui s'appelle seed.cfg. Alors. C'est très bien tout ça. Mais c'est génial, hein. J'avais tout ce qu'il faut. Et surtout en plus, a priori, j'avais déjà prévu l'image cloud, the drum tools. Ok, nickel. Donc je peux utiliser ce fichier-là. Donc l'IP c'est 10.5.0.2. Donc à cet endroit là, URL égale http 2.// Alors attention, c'est du clavier US. Hein. Les installeurs de distrib Linux, quand vous modifiez comme ça les installations, enfin pas les installations, vous modifiez les options de l'installeur comme ça, dans le menu de démarrage, c'est systématiquement du clavier US. Faites très attention à ce niveau-là. Donc, http://10.5.0.2/ et ben seed.cfg. Alors, est-ce qu'il va le prendre? J'ai pas l'impression. Si, pourtant il l'a pris. Il l'a pris, hein. Je regarde dans mes logs. Et non, il l'a pas pris. C'est init. Ah non, il l'a pas pris, tiens. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ici. Je vais aller sur 10.5.0.2. Ah, pourtant, j'y ai accès. Site.cfg, j'y ai accès. Ok. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la machine dans le même réseau que celui-là. Donc, je vais la power off. Je vais la power off. Et au niveau network, ici. Oh! Un nouveau follow? Un nouveau follow. De la part de Diez John. Merci à toi, Diez John. Ça fait très plaisir. Alors. Je suis dans quel sous-réseau ici? Je suis dans le réseau LAN Website. Et bah allez, hop, LAN Website. Voilà. Appliquer. Et on recommence. Hop. Advanced Options. À la limite, on va aller directement comme ça en graphical install. On va enlever le quiet. Et donc on fait auto URL égale http://10.5.0.2/seed.cfg. Voilà. Alors, est-ce que ça... Ah non, cette fois-ci, il me dit select language. Alors, est-ce que... Est-ce qu'il est allé au moins le... Non, c'est pas celui-là. J'ai... Ah, j'ai plein de... Voilà. 10.2.1.2, get... Non, mais celui-là, c'était celui de Firefox. Donc, il ne l'a toujours pas récupéré. Ça m'ennuie un peu, là. Qu'est-ce qu'elle dit, la doc Debian? Est-ce que je la suis comme il faut?
Quand l'installeur... When the graphical installer boot menu, press escape. Type help. Ah, d'accord. Donc, en fait... Voilà. Ici, il faut faire échappe. Et il faut lui dire auto URL égale 10.5.0.2/site.cfg. Ok, là il est en train de tout récupérer. Ok. Alors est-ce qu'il a récupéré au moins le... Parce que là pour le moment il a rien fait, hein. Il l'a pas pris. Je suis pas d'accord. Hein. Là il y a un Firefox, donc ça c'est moi tout à l'heure. Ah ça y est, voilà, là il l'a récupéré. On voit qu'il y a écrit Debian Installer dans le User Agent. Ok, detecting link. Ah, oh, et tu vas pas pleurer pour détecter le lien. T'as déjà récupéré le précide, normalement c'est bon. T'as accès au réseau. Non, ça, sérieusement, là, non. Allez, dépêche-toi un peu, Debian Installer, là. Ah là là. Il prend son temps. Hein. Alors pendant ce temps, par contre, ce que j'aimerais voir. Ah bah voilà. Le truc qui m'embête. Alors Gizmo, désolé. J'ai pas monté un PXE pour te montrer vraiment les choses, mais dans les éléments donc qui vont t'intéresser, c'est effectivement l'emplacement, enfin la commande pour bien mettre ton fichier précide. Et ce qui va être intéressant, c'est donc cette adresse-là, où en fait tu vas avoir tout ce que tu dois mettre comme truc dans ton arborescence. Donc tu as cette documentation, alors, il est où le network install image, booting Chrome flash drive, non. Mais en gros, tu as donc le netboot. Bon, ça, on l'avait vu pour le IPXE. Voilà, PXE boot. Ou en gros, ici, tu as tout ce qu'il y a pour monter le pour monter un serveur PXE. Donc avec le TFTP, le DHCP, ce genre de choses-là. Et tu vas avoir... alors, je ne sais pas si je l'avais indiqué dans les liens du chat. Est-ce que je vous avais indiqué ça? Non. Hein. Alors, donc, le premier truc, ça va être cette documentation-là. Voilà. Ensuite, tu as... la partie ici netinst network boot. Je préfère, alors je vais plutôt donner ce lien là, puisque de toute façon ce lien là va ensuite t'indiquer alors oui, tu as là le manuel d'installation et ensuite bah, tu vas trouver alors si je vais dans le manuel d'installation pour PC, hop, English. Et là, ensuite, est-ce qu'ils disent PXE quelque part? Non. Est-ce qu'ils disent quoi? TFTP... Ah oui, preparing files for TFTP netbooting. Voilà. Ou là, en fait, bah voilà, t'as toute la documentation ici. Where to find installation files. Et Gizmo qui visiblement s'est amusé avec network netboot.xyz sur un Proxmox. Bah écoute, je suis content que ça te plaise. Alors. Donc du coup, on a ça en documentation aussi. Hop. Et pour finir,
Hop. Le petit lien qui va bien. Avec en fait la partie vraiment sur les miroirs Debian. Avec, bah, on peut aller voir hein, dans le dans Debian Installer avec le fichier, voilà, le fichier Linux, le fichier initrd.gz. Et on a même les. Donc à partir de là, à mon avis, Gizmo, tu dois pouvoir monter ce qu'il faut. Et pouvoir comme ça démarrer directement sur tes précides. Est-ce que ça te va? Ou alors t'es déjà à fond sur netboot.xyz et tu vas passer la nuit dessus. Ah bah à ton service, hein. C'était le but de la soirée, hein, même si j'ai pas l'impression d'avoir été ultra efficace. Voilà, c'était séance questions-réponses. Donc je sais pas si on a le temps encore pour d'autres questions. Je me disais que si j'arrivais à faire les choses assez vite, peut-être que je pourrais commencer à faire d'autres choses, mais vu que j'essaye de faire en sorte que mes streams dépassent pas trop des 2 heures, ce qui est pas toujours évident. Et ben on a pu quand même, au moins, à défaut de maniper de fond en comble, au moins voir les choses. Moi ce que je note quand même, c'est que mon Homelab il a quand même pris cher. J'ai des trucs qui fonctionnent plus, je sais même plus pourquoi. Je trouve ça assez bizarre. C'est à se demander, si j'ai les virtual networks qui fonctionnent, mais a priori oui. Ouais, il est actif pourtant. Bizarre. Je serais bien tenté, un de ces quatre, de vouloir reprendre le Homelab from scratch. Je sais que certains m'avaient demandé de vouloir refaire du BGP, et j'en ai pas fait depuis, entre guillemets, bah, la mise en place du Homelab. Et je me dis que ça pourrait être sympa, maintenant qu'on est un petit peu plus nombreux à se revoir régulièrement, hein, 2 fois par semaine. Gizmo, ok. Ouais, du BGP! Ouais, du PXE! Ouais, du BGP! Ouais, du Netboot! je me demandais, en fait, si je vais pas, à un moment, tout casser et tout refaire, en fait. Et quand je dis tout refaire, c'est tout refaire de façon à ce que ce soit réutilisable. Alors c'est une idée que je lance, hein, je promets rien, je réfléchis en même temps que je parle. Et combien je me fais par mois avec mon taf? Alors, je vis confortablement. Je vis confortablement, je suis bien au-dessus du SMIC. Ça de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Alors, je sais qu'on n'est pas souvent... comment dire? Avec Twitch, zéro. Ouais, avec Twitch, effectivement, pas grand-chose. Ouais, zéro. Effectivement, techniquement, zéro, parce qu'en fait, c'est très simple. Pour le moment, en fait, les gens qui m'ont sub... et je les remercie encore d'ailleurs, hein. Les gens qui m'ont sub ont donné de l'argent à Twitch mais ne m'ont pas encore donné de l'argent. Alors Gizmo, je sais pas si tu parles en brut ou en net ou en mensuel, mais je dirais que t'es pas loin. T'es pas loin. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je suis pas débutant. J'ai quoi, entre 10 et 15 ans d'expérience maintenant. Donc, en mensuel net, la fourchette est bonne. La fourchette est bonne. Je donnerai pas le détail, mais Gizmo, la fourchette est bonne. Plutôt bas de la fourchette. Après que les choses soient claires, quand j'ai démarré, j'étais à 2 fois moins. Ça se paie un mec comme moi. Bah écoute, merci, c'est gentil. C'est très gentil à toi.
C'est très gentil à toi. Merci encore. Mais ouais, je disais oui, effectivement, pour le moment, avec Twitch, je suis à zéro parce qu'en fait, il faut atteindre une certaine somme pour toucher les sous de Twitch. Et je ne l'ai pas encore atteinte. Ceci étant dit. Ceci étant dit, est-ce que vous avez d'autres. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit truc qu'on pourrait. Y a une partie de moi qui a envie d'aller regarder encore dans dans les configurations réseau du PFSense. Non mais DSJohn, je suis pas à 5. Hein. Oh là! Alors je commence à parler de sub et il y a Manon qui offre des subs. Merci beaucoup Manon. Merci beaucoup. Bah tu peux Oxydeus, hein, tu peux remercier Manon chaleureusement. Manon, merci, merci pour le gift sub à Oxydeus. DSJohn, ouais, c'est pas mal. Effectivement, c'est. Tu peux même, ouais, tu peux espérer ce genre de choses-là au bout de, ouais, au bout de 15 ans d'expérience. Mais à la limite, comment dire? 6 admin, ouais, 6 net admin, ça peut rapporter bien. Peut-être développeur pourrait rapporter encore plus, je pense. Selon les technos, selon les domaines. Si tu. Alors, visiblement, Gizmo connaît d'autres salaires. Bah. Ça a l'air d'être. Après, ce qui se passe aussi, c'est que le Clément dont tu parles, alors je sais pas trop si on peut parler de lui parce qu'il est pas là, mais faut dire ce qui est. Alors je vais peut-être me remettre en blabla, comme ça ce sera mieux. Faut dire ce qui est, lui, il est indépendant, il a sa société. Voilà, il est consultant, tout à fait. Alors, Manon qui dit, moi aussi je gagne bien ma vie, lol, mais j'ai juste trois serveurs Linux. Un dev de prod. D'accord. Ah, de passer le cap, de devenir consultant, de devenir indépendant, Gizmo? Ben, honnêtement, je sais pas trop. Je sais pas trop. Je suis pas. Je pense que pour faire ce genre de choses, faut avoir un projet, entre guillemets. Faut avoir envie de monter une structure avec un objectif particulier. Moi aujourd'hui, j'ai pas cette. Il me manque ça en fait pour décider de partir sur ce genre de choses, de devenir indépendant. Faut avoir un projet en particulier. Je pense qu'aujourd'hui, les gens qui développent peuvent plus facilement avoir ce genre de choses-là et dire je monte ma propre structure parce que je sais pas moi je veux monter un site pour je sais pas moi uberiser la livraison de patates. Je dis une bêtise hein, mais voilà. Alors visiblement Manon a été qualifiée de Wonder Woman. Parce qu'elle est à la fois sysadmin, dev, DevOps, chef de projet, responsable SI, petite équipe dans une petite organisation. Ouais, ça fait beaucoup de choses à voir, effectivement. Et contrairement à Superman, tu mets pas de slip au-dessus de tes collants. Ouais. C'est vrai que je dois avouer que ouais, ce. Ok, Gizmo. Bah écoute, bonne fin de soirée à toi. À bientôt. Je t'en prie, ça m'a fait plaisir de pouvoir te répondre en direct. Bien. Bien, bien, bien. Alors.
Alors, Manon, qui préférerait pouvoir te spécialiser dans le DevOps sysadmin et avoir un chef de projet qui te remplace. Je comprends, un hein. Chef de projet, c'est un métier. C'est un métier à part entière. Diaz John, il y a un truc que j'ai pas compris. La blague de beauf. Où ça, la blague de beauf? Gigot d'agneau? Oh! J'aurais été fichu de. Enfin, je pense qu'on. Non, ça va, là, elle est pas méchante. Elle est pas méchante, la blague. Certes, là, j'aimais volontiers que c'est usé, c'est du vu, du revu, mais voilà. Ah, pour toi, c'est pas forcément méchant. Pour moi, c'est un peu plus connoté, quand même. Mais soit. J'étais en train de me demander si j'allais pas essayer de diagnostiquer cette histoire de réseau dans les VM, là, la petite DMZ que j'ai sur l'OPN Sense, pour le, comment dire, plus pour le principe qu'autre chose, parce que ça me travaille. Ah bah merci, merci beaucoup, Diez Jeune, ça me touche, c'est très gentil à toi. C'est bien sympa. Tiens, on va regarder un petit instant quand même là. L'histoire de la configuration. Non, pas la configuration. J'étais au réseau, moi. Hop là. Parce que là, donc l'interface, elle est activée. Elle est bien sur le bon truc. On ne bloque pas les réseaux privés, on ne bloque pas les bogons. On est en statique. On a une adresse IP, auto-détect. Donc ça, a priori, c'est. Enfin, ouais, c'est pas mal, mais. Et pourquoi est-ce que l'autre machine, si je vais chercher mon VHost website qui est là, hop. Parce que je lui ai donné la bonne IP déjà, 10.13.37.1. Et lui, il est bien en 10.13.37.42. Donc 10.13.37.1. Si je le ping, il n'en voit rien. Il voit rien du tout. Il voit rien du tout. Alors, ce que je vais peut-être faire, c'est qu'on va regarder un petit détail. DMZ Website, il est sur le device VirBR8. On va entrer dans les arcanes un petit peu de libvirt et de KVM. Donc là, le shell que je vous montre, c'est l'hyperviseur. Et si je fais un TCP dump, hein, est-ce que j'ai installé TCP dump là-dessus? Oui, TCP dump de l'interface. Alors, on va faire moins N moins I vir BR8. En fait, là, j'ai en fait là-dedans tout ce qui passe sur le réseau virtuel qui est paramétré pour utiliser le bridge vir BR8. Et donc, si je reviens sur mon Virtual Machine Manager, que je reviens ici dans mes détails de connexion, on voit bien que le Virtual Networks DMZ Website, qui est celui qui m'intéresse, il est bien sur le device VirBR8. Alors, je peux vous le montrer aussi avec la définition XML, où on a bien VirBR8. Ce que je peux même faire pour vous le montrer en plus gros, là je suis root, je peux aller dans etc libvirt. On a un network quelque part. Alors, ce que j'ai fait comme étude, excellente question. J'ai fait un DUT en réseau et télécom, qui à l'époque s'appelait Génie des télécoms et des réseaux. Et j'ai suivi par une licence professionnelle en administration des réseaux et SQ. Je sens que Manon a fait le même DUT. Networks. Et si je prends le DMZ website, voilà. Et là, on voit bien, il y a écrit VirBR8. Et on a même la MAC adresse. Et du coup, si je fais un IP ADDR show ici de VirBR8, hop, on voit bien que j'ai la MAC adresse en EA à la fin, 62 EA à la fin. Ok.
Oui, effectivement. Plus le temps passe et plus on trouve des points communs. Bah écoute, c'est plutôt sympa, hein, mieux vaut ça. Donc, où en étais-je moi? Oui, je vais relancer mon TCP dump. Et je vois bien qu'il y a mon 10, 13, 37, 43. Ok. J'aimerais bien. Ce que j'aimerais bien faire, c'est si je fais host 10.13.37.42. Voilà. Oui, Manon qui dit qu'elle a un pote qui l'a fait ce DUT. Et oui, globalement, globalement, alors je sais pas, je j'ai pas, comment dire, j'ai pas rencontré de gens qui ont fait le DUT maintenant qui s'appelle, je crois, réseau, juste Réseau et Télécom. Je sais pas comment il a évolué. J'espère qu'il a évolué en bien. Mais en fait, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut ensuite partir. Je sais que moi, j'ai des camarades de promo qui sont virés full télécom, par exemple. Quand on s'est revus, genre à la remise des diplômes ou des trucs comme ça, ils étaient du genre à vraiment maniper vraiment des trucs genre du cuivre ou de la fibre, vraiment sur de l'équipement vraiment télécom. Pas forcément, DS John. Les réseaux, non, moi j'avais beaucoup aimé les cours de réseau. Donc là, pour le moment, tout ce que je vois, c'est un ICMP ICO request, mais je vois pas de reply. Alors après, peut-être qu'on n'a pas autorisé le ping. D'accord. Pendant ce temps-là, la Debian, elle a fait au fait, bas d'archive. Bref. Bon, au moins, elle a démarré, elle s'est lancée. Allez, hop, on l'éteint. Alors, on va aller regarder ici dans les règles de Firewall. Et si je vais dans les rules et que je vais en DMZ, normalement, bon, je vais revenir comme ça. Enfin, en tout cas, moi, mes profs de réseau étaient super, hein. Ça, c'est un truc que j'ai toujours été très content de mes profs de réseau. Et mon prof de télécom aussi. Pop-pop-pom. Voyons voir ça. Alors, pourtant, on a IPv4, DMZ. Donc, normalement, a priori, on a. Ah, tiens, non, tiens, celui-là, hop, on va l'enabler. Et on apply. Est-ce que ça irait mieux comme ça en appliquant cette règle-là? Je vais relancer mon TCP dump. J'ai toujours que des echo requests. Bon. Ça n'a pas l'air d'être ça. T'as l'impression de tenir la chandelle. Oh, tout de suite. Non, 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 tu ne nous laisseras pas en amoureux, je te rassure. De toute façon, il y a encore un peu du monde. Bon. Ouais, je suis assez d'accord, Manon. Je pense qu'on va peut-être s'arrêter là ce soir parce que le truc a pas l'air très.
Swimon, merci à toi et d'ailleurs bienvenue. En plus, premier message sur le chat. Tu es là, c'est très gentil à toi. C'est super sympa. Merci beaucoup. Alors, ce que tu fais, tu sais pas ce que tu fais là, mais en fait, tu regardes et c'est déjà pas mal. D'ailleurs, merci à toutes celles et à ceux qui regardent. Je pense que de toute façon, là, on a atteint les 2 heures de live. Je suis de toute façon un peu pas très pas sur des. Attends, là j'étais sur le. Pourquoi j'étais sur le LAN? C'est la DMZ qui m'intéressait. Bref, ouais. Il y a un truc qui marche pas, je pense que je vais le regarder à tête reposée. Et de toute façon, je pense que cette idée de repartir from scratch pour le home lab virtuel, ça me tente bien. On va peut-être y réfléchir. Toujours est-il que pour des prochaines aventures comme ça, on va se remettre comme ça. Pour ce genre d'aventure, vous pouvez toujours venir les jeudis de 20h à 22h. Il y a aussi le dimanche, je fais d'autres streams de 18h à 20h. Et là, par contre, c'est une autre thématique que je fais. C'est plutôt du TP en direct, où en fait je vous propose un énoncé de TP, et moi je fais le TP en direct, dans le but de partir de zéro, quand on est débutant sur de l'administration système et réseau, pour aller installer un serveur web. Donc là on en est à un moment où on a réussi à installer notre serveur web avec du Apache, du PHP, du MySQL. On a découvert Nginx, notamment en reverse proxy, et on va continuer ce genre d'aventure qui donc a lieu le dimanche de 18h à 20h. Voili voilou. Est-ce qu'on se ferait pas un petit raid pour finir la soirée? Ouais, on va peut-être aller voir Virtual Labs. Allez. Moi, je vais vous souhaiter une excellente fin de soirée. On va aller faire un petit coucou à Virtual Labs avant d'aller se coucher. Allez, bye bye. À bientôt.